As we approach a new day, alors que nous commençons une nouvelle journée, we have a challenge. On a un défi. I was reading in 1 Timothy this morning. Je lisais en Timothée ce matin. And Paul is telling young Timothy. Et Paul dit au jeune Timothée. Now you keep moving forward fast. Continue d'aller de l'avant, vite. And then they will see the progress. Et après, tes progrès seront évidents. And we need to have goals in our lives. C'est pour ça qu'il nous faut avoir des objectifs dans nos vies. That are God-given. Des objectifs donnés par Dieu. And I have a goal in my life. Et dans ma vie, j'ai un objectif. I have several goals. J'en ai plusieurs, en fait. And so that's what I say. I don't know what I'll do when I get old. C'est pour ça que je dis, je sais pas ce que je ferai quand je serai vieux. But in the meantime, mais en même temps, I don't have a bucket list, as they call it. J'ai pas une liste de courses comme on l'appelle parfois. Yeah, I have a mountain list. Mais j'ai une liste grosse comme une montagne. Do you remember Caleb? Vous vous souvenez de Caleb? He said in Joshua chapter 14, verse 7. Il a dit dans Josué au chapitre 14 et au verset 7. 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. J'avais 40 ans quand Moïse, le serviteur du Seigneur, m'a envoyé de Kadesh Barnea pour aller espionner le pays. And I brought him word again as it was in my heart. Et je lui ai rapporté la parole qui était dans mon cœur. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt. Néanmoins, les frères qui étaient avec moi pour espionner ont fait fondre le cœur du peuple. But I wholly followed the Lord my God. Mais j'ai suivi pleinement le Seigneur mon Dieu. So Moses swore to me on that day saying, donc Moïse m'a juré ce jour-là en me disant, surely the land where on your feet have trodden will be your inheritance. Certainement tout lieu qu'aura foulé la plante de ton pied sera ton héritage. Because you have wholly followed the Lord my God. Parce que tu as servi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. And then what Caleb said in verse 12. Alors ce que Caleb répond au verset 12. Now give me this mountain. Alors donne-moi cette montagne. I have a mountain list. J'ai une liste grande comme une montagne. There's several things I want to see done. Il y a plusieurs choses que je veux voir accomplies. And that's how you live. Et c'est comme ça qu'on vit. With those mountains God gives you. Avec ces montagnes à conquérir que that Dieu vous a confiées. Conquer those mountains. You may conquer them. Vous pouvez les conquérir. For Jesus. Pour Jésus. And that's what God wants us to do. Et ça, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. It was in the year of 2000. C'était en l'an 2000. Billy Graham had called for a conference in Amsterdam. Billy Graham avait convoqué une conférence à Amsterdam. Now, you can tell whether or not you are a leader. Maintenant, vous pouvez réaliser si oui ou non vous êtes un leader. If you call for a meeting, somebody comes. C'est si vous convoquez une réunion, s'il y a quelqu'un qui vient, c'est que vous êtes un leader. That's important. Ça, c'est important, hein? You can't just say, well, we're going to have an international leader at my base. Et on peut pas simplement international dire, conference at my base. Ah, on va organiser une conférence internationale sur ma base. So you announce it. Vous l'annoncez. And you and your wife show up. Et puis, il y a juste vous et votre femme. Well, you got one follower. Donc là, vous avez un disciple. But we need more. Mais il nous en faut plus. We need to understand. Il nous faut comprendre. Where we are in life. Où nous sommes dans la vie. What is it that God is calling us to at this stage? À quoi Dieu nous appelle-t-il dans cette saison de there vie? Should be growth. Il devrait y avoir une croissance. But when Caleb looked back, mais quand Caleb regardait en arrière, he saw a very important turning point in his life. Il a vu des tournants, des moments décisifs dans sa vie. Moses chose 12 spies to Moïse go in and look over the land. Avait choisi 12 espions pour aller espionner le pays. He wanted to encourage the people that God's promises were real. Il voulait que les gens soient encouragés que les promesses de Dieu sont réelles. But only two came back with a positive report. Mais il y en a que deux qui sont revenus avec un rapport positif. 10 people came back with the words of unbelief. Les 10 autres sont rentrés avec des paroles d'incrédulité. They were looking at the human beings out there. Ils regardaient la dimension humaine qui était là-bas. They were big guys. Il y avait des géants. They were giants. Des géants. And that's all they could think about. Et c'était tout ce à quoi ils pouvaient penser. What do you see? Qu'est-ce que vous voyez? Do you see the giants? Est-ce que vous voyez les géants? Or do you see a great God? Et où est-ce que vous voyez un grand Dieu? Two. Deux. We're looking at God.
ont pu voir Dieu d'abord. So they brought back grapes and evidence. It was what God said. Donc, ils ont rapporté un rapport plein de grâce avec l'évidence. Oui, c'est ce que Dieu nous a dit. So I'm going to challenge you. Alors, je vous défie. I'm going to challenge you with a goal. Je vais vous défier avec un but. That's impossible. Un objectif impossible à atteindre. Without God. Sans Dieu. But it is possible. Mais il est possible. And here's the goal. Et voici l'objectif. Now you can't have a goal without a date. Vous savez, vous pouvez pas avoir un objectif sans avoir un délai. What if we had announced? Si on avait annoncé? And Darlene would love to be here. Et Darlene aurait beaucoup aimé être là. She carries the burdens, and always at her side is Don Goslin for these DNAs. C'est elle qui porte le fardeau de ces ADN et toujours avec Don Goslin à ses côtés. Now, I show up, and so does David Hamilton. Donc moi je viens aussi, comme David Hamilton. We just serve that vision. Et puis nous on serve cette vision. She leads it. C'est elle qui la conduit. And it's something on her heart all the time. C'est quelque chose que Dieu met constamment sur son cœur. So it was very hard for her not to be here. Donc c'était très difficile pour elle de pas être ici. But there's no way. Mais the doctors or even her body would allow for that. Il n'y avait pas moyen, les médecins et même son corps ne permettaient pas thank cela. The Lord, in the last few days, she's turning the corner. Mais merci Seigneur, ces deux, trois derniers jours, la balance penche de l'autre côté. The doctors still don't know what it is. Les médecins ne savent toujours pas ce que c'est. It's a very strange thing. C'est quelque chose de très bizarre. It attacked all of her joints. Ça a attaqué tous ses jointures. Well, I've never seen it. She handles pain a lot. She's a nurse. Elle est infirmière, elle sait comment supporter la souffrance. And, but it was beyond that. Mais ça, c'était au-delà. Every joint. Chaque jointure. Her hands just swelled up. Ses mains se sont enflées. Elle ne pouvait plus saisir quoi que ce soit. She couldn't hold anything. Elle ne pouvait plus tenir quoi que ce soit. At the same time, her lungs were filling up. Et en même temps, ses poumons se remplissaient. She couldn't breathe. Elle ne pouvait plus respirer. It's bad. C'était vraiment... At first, my first report back, I thought I was going to lose her. Et le premier rapport que j'ai reçu, j'ai pensé que j'allais la perdre. I had to walk through certain things. Et j'ai dû passer à travers certaines étapes. With the Lord. Avec le Seigneur. It wasn't easy. C'était pas facile. But whenever Satan wants to attack me, he attacks her. Mais chaque fois que le diable veut m'attaquer, il s'en prend à elle. If you've read our second book, si vous avez lu notre deuxième livre, Making Jesus Lord. Comment c'est le nouveau titre en français? Tout a gagné. Merci. And so I start the story when I picked up Darlene. I thought she was dead. Le livre commence quand on est au bord de la route après un accident et j'ai pris Darlene dans mes bras en pensant qu'elle but était morte. But we've had other experiences. Mais on a eu d'autres expériences. I did the same thing down in the islands of Samoa. J'ai eu la même situation sur l'île de Samoa. I thought she was gone. J'ai pensé qu'elle était partie. And they had to go take her to the hospital. Et ils ont dû l'emmener à l'hôpital. That was something I've seen. C'était quelque chose que j'avais vu. Another time, she was following me in an older vehicle that people gave to YWAM. Une autre fois, elle nous suivait. J'étais dans un véhicule, puis elle était dans un autre véhicule derrière, un vieux véhicule qu'on avait donné à Jem. We were coming down the Ohio Turnpike, a big road. Et on descendait une route en Ohio, aux États-Unis. And we had just passed a whole group of big trucks. Et on venait de dépasser un groupe de longs camions. And I'm driving a pickup truck in front. Et moi, je conduis un pick-up devant. And I look in the mirror and I saw my wife spinning around. Et je regarde dans le rétroviseur. In front of the trucks coming at her. Et je vois ma femme, le véhicule de ma femme and qui commence à faire des têtes à queue en face du camion qui nous suivait. Et j'ai vu le camion qui l'a frappé. The whole car burst into flames. Et tout le véhicule est parti en flammes. What was happening is the axle was frozen and it got red hot and it caught fire to the gasoline tank. Ce qui s'est passé, c'est qu'un élément du moteur a été gelé et en fait, il est devenu bouillant et il a mis le feu à l'essence qui était dans le moteur. And because of the break then of it caused the car to spin. Et à cause des freins, ça a amené la voiture à faire un tête à queue. The truck stopped in time. Et le camion a juste pu s'arrêter avant de la frapper. They all grabbed their extinguishers and were trying to put out the flame. Et ils ont tous sorti leurs extincteurs pour essayer d'éteindre les flammes. But it was too big for their little
extinguishers. Mais les flammes étaient trop grosses pour leurs petits extincteurs. And I'm running back as fast as I can get. Et moi, j'ai reculé et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Yelling, get her out, get her out. Et je criais, sortez-la, sortez-la. Wow. Wow. Those kind of tests when you go through them. Ce genre de test quand vous passez par là. Then you understand the enemy is really angry. Alors vous comprenez que l'ennemi est vraiment en colère. Know this, you're doing something for God that he doesn't like. Et il faut que vous le sachiez. Vous faites quelque chose pour le Seigneur qu'il déteste. And I got there. Quand je suis arrivé là-bas. She wasn't in the car. Elle n'était pas dans la voiture. She was over in the ditch. Elle était dans le fossé. Once again, she got her head hit. Une fois de plus, elle a été frappée à la tête. But she got out of there. Mais elle s'en est sortie. But each time, mais chaque fois, I always see, okay, God's going to give a big thing coming. Chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive, je me dis, okay, ça veut dire que Dieu est sur le point de nous donner une grande victoire. When did this start? Quand est-ce que ça a commencé? It started in Kansas City. Ça a commencé à Kansas City. When she arrived there. Quand elle est arrivée là-bas. Where we announced two important things. Où on a annoncé deux choses importantes. One, la première, had to do with the seven spheres. Était liée aux sept sphères de la société. That everyone who has been in YWAM. Dans, où chacun qui a fait partie de YWAM. I was just told last January. On m'a dit en janvier dernier. We crossed the 5 million mark of people working short term in YWAM worldwide. Nous avons dépassé le chiffre de 5 millions de personnes qui ont travaillé au moins pendant un court terme à Jeunesse These are our alumni. They are our family too. Donc ce sont ceux qui ont fait nos écoles, ce sont aussi notre famille. They may be a cousin, but they're a family. Peut-être ce sont des cousins, mais ils sont membres de la famille. And then, of course, we have our full-time workers. Et après, bien sûr, on a notre staff à plein temps. Now only God knows how many YWAMers there are. Et seul Dieu sait combien il y a de YWAMers. But we have to guess at it as much as we can. Mais il faut qu'on essaye de deviner le mieux qu'on peut. But thank you very much. Merci beaucoup. Bien. And merci beaucoup. Yeah, oui. Thanks a lot. Yes. So in 2010. En 2010, we went to 44 locations. On a visité 44 lieux. In order to meet with YWAM staff. Pour rencontrer des membres du personnel de YWAM. We announced ahead of time. On l'a annoncé à l'avance. This is for the full-time YWAMers to come. C'est pour les YWAMiens à plein temps. And so at that time, we had a covenant we made with the Lord that we were going to finish the Great Commission. Et cette année-là, on avait élaboré une alliance qu'on voulait faire avec le Seigneur, qu'on voulait accomplir le grand commandement missionnaire. By his grace par and sa by grâce his help. Et par son aide. And so, how many signed it? Combien l'ont signé? 32,000. 32,000. Now, we know some came in anyway, maybe students or... Maybe some former staff. Bon, on sait qu'il y a certainement certains étudiants ou des anciens staffs qui sont venus et qui ont signé aussi. But those were mostly full-time staff. Mais c'était principalement des membres du personnel à plein temps. We stopped counting when we got to 2,000 bases. On a arrêté de compter quand on a dépassé le nombre de 2,000 bases. But when we made a commitment to the Lord in Singapore 2 years ago, mais quand on a pris un engagement vers le Seigneur à Singapour il y a 2 ans, we all understood YWAM internationally is a movement. On a tous compris que Jeunesse en Mission internationale est un mouvement. And it has a movement within the movements. Et qu'il y a movements un mouvement within a movement. Jeunesse en Mission est un mouvement qui a des mouvements à l'intérieur du mouvement. King's Kids is YWAM. Les fabricants de joie, c'est Jeunesse en Mission. It's a part of the movement. Ils font partie du mouvement. But it's also a movement of its own. Mais ils sont aussi un mouvement en eux-mêmes. It's like you have a daughter. C'est comme si vous aviez une fille. She grows up. Elle grandit. She gets married. Elle se marie. She's still your daughter. Elle est toujours votre fille. But she has a family. Mais elle a sa famille. And so it was with King's Kids. Donc c'était avec les FJ. And it is now. Et c'est le cas maintenant.
And it is for other movements. We have over 100 of them. Et on en a une centaine de mouvements comme les FJ à l'intérieur de Jeunesse en Mission. And they all live by the same values. Et ils vivent tous avec les mêmes valeurs. The same beliefs. Les mêmes croyances. The same vision. La même vision. Finishing the Great Commission. Accomplir le grand commandement missionnaire. So we have many kinds of movements and we'll have many more. On a donc beaucoup de types de mouvements dans Jeunesse en Mission et on en aura certainement encore plus à l'avenir. I introduce you to another movement. Donc ce matin, je vais vous introduire à un nouveau mouvement. And that is something to do with the Bible. Et c'est quelque chose qui est lié à la Bible. That's why I'm giving you so much Bible. I'm bombing you. Pour ça que je vous bombarde avec des références bibliques. I want you, when people squeeze you, the Bible comes out. J'aimerais que quand les gens vous pressent, il y ait de la Bible qui sort. Anointed by the Holy Spirit. Sous l'onction du Saint-Esprit. So, at KC, Kansas City. Alors, à Kansas City. We also introduced the End Bible Poverty Now legacy word. On a aussi introduit les paroles d'héritage qui sont liées à mettre un terme à la pauvreté biblique maintenant. Not as just a good idea. Non seulement comme une bonne idée, but as a goal. Mais comme un objectif. What if we had invited you to this DNA? Et si nous vous avions invité à cet ADN? Said sometime in the next few months we hope to have a DNA here. En vous disant, oh, vous savez, dans les mois qui viennent, on espère avoir un ADN à nos épées. Please go and buy your airline ticket. S'il vous plaît, achetez vos billets d'avion ou de bus. And everyone, whatever you want, whatever date, come. Et puis choisissez vos dates, mais venez. You can't have that. On peut pas faire ça. That's not a goal. That's just a good idea. C'est pas un but. Ça c'est juste une bonne idée. It may be a good desire. Et peut-être un beau désir. It may be God's desire. Peut-être c'est le désir de Dieu. But you have to set a date. Mais il faut qu'on fixe une date. Yeah. N'est-ce pas? Do you have a calendar? Est-ce que vous avez un agenda? Oh, you have it just for the pictures. Ah, mais on l'a juste pour les photos. Or do you have dates? Vous avez des dates. Of course you do. Bien sûr, vous That's avez why you're here. C'est pour ça que vous êtes là. The other ones that were saying, oh, someday God will guide me to the DNA over there in Togo. Il y a quelqu'un qui someday. Disait peut-être, ah, un jour Dieu me conduira au Togo pour participer à l'ADN. They're still there, ouais, on their hammock, dans leur on their bed. Ils sont toujours dans leur lit, dans leurs habitudes. While we're having a DNA. Alors que nous, on est à l'ADN. What is the goal? Quel est l'objectif? We want to give a birthday gift to Jesus. On veut offrir un cadeau d'anniversaire à Jésus. Would you like to give a birthday gift to Jesus? Est-ce que vous aimeriez offrir un cadeau d'anniversaire à Jésus? At one of the Christmases in the future? À l'un des Noëls des années qui viennent? Now here's the gift. Voilà le cadeau. Before I tell you when. Avant que je vous dise la date. The gift is le don, le cadeau. It's a surprise. C'est une surprise. To Jesus. Pour Jésus. Faut pas lui dire, hein. That can't be. Sorry, he knows everything. Non, je suis désolé, il sait tout. He even knows our thoughts already. Il connaît déjà nos pensées. All right. But it will be a gift of love that he will enjoy. Un cadeau d'amour qui va lui faire plaisir. Because Jesus is in every book of the Bible. Parce que Jésus est dans chaque livre de la Bible. We want the Bible in every language on earth. On veut que la Bible soit traduite dans chaque langue sur la terre. By 2020. D'ici l'an 2020. Christmas. Noël. I see you're celebrating. Je vous vois en train de faire la fête, là. Hein? You celebrate like some of our churches I've seen. Vous célébrez comme certaines des églises que j'ai rencontrées. Oh, God's wonderful. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. I wonder how the roof is. Je me demande où est le plafond. God's wonderful. Dieu est merveilleux. I think it may leak over there. Oh, je crois qu'il y a des fuites là-bas. They're celebrating God. Ils célèbrent le Seigneur. Come on. Allez. Let's give Jesus a birthday gift. Offrons un cadeau d'anniversaire à Jésus. In 4 years. Dans 4 ans. 2 months. 2 mois. Amen. Amen. All right. Every language. Dans toutes les langues. It's going to have the word of God in it. Qui est la parole de Dieu qui soit traduite. So there's 1776 languages. Donc il y a 1775 langues encore à traduire. That don't even have John 3:16. Qui n'ont même pas Jean 3:16.
Why is that important? Pourquoi est-ce que c'est important? Maybe they speak French. Peut-être qu'ils parlent le français or aussi. English. Ou l'anglais. Or Spanish. Ou l'espagnol. Or one of the other trade ou languages. Une des autres langues principales. How many of you like your mother's cooking? Combien parmi vous aiment la cuisine de leur maman? Me too. I still, when we get together with my sisters, quand je me retrouve avec ma sœur, we eat beans, on mange des haricots, cornbread, du pain de maïs, buttermilk, du and greens, d'une sorte de lait et de la verdure. My mother was from the south. Ma mère venait du sud. She liked that. Elle aimait ça. So we like that. Alors on aime ça aussi. I also like Mexican food. J'aime aussi la nourriture mexicaine. We lived on the border with Mexico for parce many years. On a vécu de nombreuses années à la frontière du Mexique. And so we ate Mexican food. Donc on mangeait de la nourriture mexicaine. Because it was cheaper than parce American c'était food. Moins cher que la nourriture américaine. And so we would buy tamales. Donc on achetait des tamales. We would buy tortillas. On achetait des tortillas. We would buy Mexican food. On achetait de la nourriture mexicaine. Because it was a depression. Parce que c'était la grande dépression. There was no money around. Il n'y avait pas d'argent. One week. Une semaine. My parents would take up an offering. Mes parents ont fait une offrande. For the whole week. 5 cents. Pour toute la semaine, ce qui a été donné, c'était 5 centimes. US dollar, 5 cents. 5 centimes de dollars américains. It was not easy time. C'était pas une période facile. But we never went hungry. Mais on n'a jamais eu faim. God always supplied. Dieu a toujours pourvu. That's our God. C'est notre Dieu. David said, King David. Le roi David dit, I was once young, now I'm old. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. I've never seen the righteous forsaken nor their seed begging bread. Je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa descendance manquer de pain. You're a child of the king. Vous êtes un enfant du roi. The king wants to take care of you. Le roi veut prendre soin de vous. Trust him. Faites-lui confiance. Believe in him. Croyez en lui. Listen to him. Écoutez-le. Obey him. Obéissez-lui. And you will find God will provide. Et vous allez voir que Dieu pourvoit. There are times of testing. Il y a des temps d'épreuve. But you're not going to be tested beyond what you're mais able to bear. Mais vous ne serez pas éprouvé au-delà de ce que vous pouvez with supporter. With every test, he'll make a way of escape for et you. Et avec chaque épreuve, il look for that way. Il préparera look une for une what he's trying to teach you. Donc, voyez ce qu'il when a prévu pour en sortir. The test is over, like Job. Et une fois que vous avez appris ce qu'il veut vous enseigner, le test est terminé, Job comme pour took Job. Almost 42 chapters to learn it. Job, il lui a fallu presque 42 chapitres pour apprendre la leçon que Dieu voulait lui enseigner. Well, don't take too long to learn the lesson. Ne prenez pas trop de temps pour apprendre la leçon que Dieu veut so vous enseigner. I'm going to sit down here and we're going to have a family time. Je vais m'asseoir et puis on va avoir un moment en famille. Don't lose your, yeah. Uh-oh. Is there another chair? This one's reserved. Est-ce qu'il y a une autre chaise? Parce que celle-là, elle est réservée. Oh, thank you. Thank you, thank you. Now, I can go to sleep like some of you. Maintenant, je peux aller dormir comme certains d'entre vous. You didn't think I saw you sleeping last night, did you? Vous pensez pas que je vous ai vu dormir sur vos chaises hier soir, hein? That's all right. Mais c'est OK, pas de problème. If I go to sleep, Guy will keep talking. Si je m'endors, Guy continuera de parler. See, he's preaching today, I'm translating. Voyez-vous, c'est lui qui prêche ce matin et moi je traduis. You thought it was the other way, didn't you? Vous pensiez que c'était le contraire, hein? All right. Now here's the goal. Alors voilà l'objectif. Christmas. Noël. 2020. 2020. A Christmas gift to Jesus. Un cadeau de Noël pour Jésus. All 1776 languages. Les 1775 langues. Will have the Jesus film in it. Qui auront le film Jésus traduit dans leur langue. Now what is the Jesus film? Alors c'est quoi le film Jésus? It's really the gospel of salvation. C'est vraiment l'évangile du salut. And in the gospel of salvation. Et dans l'évangile du salut. It's from the book of Luke. Il est tiré du livre de Luc. And it's 80% of the Bible from the book of Luke. Et 80% du dialogue est tiré du livre de Luc. Don't you think everybody ought to have that? Est-ce que vous aimeriez pas que tout le monde puisse entendre ce film dans sa langue? Now the film that has the most from Hollywood has the most languages.
Maintenant, le film hollywoodien qui a été traduit dans le plus de langues, or from Bollywood, ou de Bollywood en Inde, or from Nollywood, ou de Nollywood, je ne sais pas où or c'est, from any other wood, du Nigeria, ou de n'importe quel autre wood. YWAM wood, yes. Ou de gem wood. Yes, I like that. So, the most is the Lion King, which has 210 languages. Le film le plus traduit, c'est le Roi Lion, qui a été traduit en 210 langues. The Jesus film is now in 1400 languages. Le film Jésus, il est déjà traduit en 1400 langues. But that's not enough. C'est pas assez. And so, the board of the Jesus film, the board of, you know, the legal board said, no more languages. Alors, le conseil de direction légale du film Jésus, ils ont dit maintenant, plus de nouvelles langues. That's enough, they can see it in another language they know. Ils peuvent le voir dans une autre langue qu'ils connaissent. You know what I said? Vous savez ce que j'ai dit? I said, yeah, Jesus doesn't love them. Oui, ça veut dire que Jésus les aime pas vraiment. He just loves your languages. Il aime juste vos langues. Your people. Votre peuple. They got all guilty. Et puis ils se sont sentis tous coupables. That's the ministry of condemnation. Ça, c'est le ministère de la condamnation. You'll find that in 2 Corinthians chapter 3, verse 9. Vous trouverez ça dans 2 Corinthiens 3, au verset 9. Look it up. Regardez. All right. But that's not a good ministry. Mais c'est pas un très bon ministère. But anyway, I was pushing them. Mais bon, j'essaie toujours de les pousser un peu plus come loin. On, come on, allez, come on. Allez. And David Hamilton was pushing them. Et puis David Hamilton les poussait aussi. And they said, okay. Et ils ont dit, OK. If YWAM will do something, si JEM nous aide, we'll give them all a backpack. On va leur donner à tous un sac à dos. For every team, pour chaque équipe, that will go in and put 8 languages into the Jesus film. Qui va nous aider à mettre 8 nouvelles langues dans le film Jésus. In the backpack, dans le sac à dos, you get a computer. Il y aura un ordinateur. You get the equipment to show it. Il y aura l'équipement pour projeter le film and to edit it. Et pour l'éditer. So we did that. Alors on a fait ça. We did that from Kona. On a fait ça à partir de Kona. But you first have to get training. Mais d'abord il fallait qu'on ait une petite formation. Now if the Bible has if the book of John is already translated into that language. Maintenant, si le livre de Jean était déjà traduit dans cette langue, you only have to have 2 weeks training. Il y a seulement besoin de 2 semaines de formation. But if it's not in that language, mais si le livre de Jean n'est pas traduit dans cette you langue, have to have 6 months training. Il vous faut 6 mois de formation. Je pense qu'il parle du livre de or Luc. Or you don't en get fait. Your backpack. Autrement, vous recevez pas le sac à dos. And you can't be assigned a language. Et on peut pas vous assigner une langue. You can go on your own. Vous pouvez aller tout seul. But if you really want to do it right, mais si vous voulez vraiment faire les choses de la bonne façon, to be in that language, vous voulez que le film soit traduit so dans cette people langue, see as well as hear, afin que les gens puissent voir et entendre. And if they can read, they can also read. Et puis, s'ils peuvent lire, ils peuvent aussi lire. And many millions have come to Christ showing that film. Et il y en a des millions qui sont venus à Jésus simplement en voyant ce film. When I picked up Darlene thinking she was dead, quand j'avais ramassé Darlene par terre en pensant qu'elle était morte, her eyes were open, ses yeux étaient ouverts, they were not seeing, ils ne voyaient pas, she wasn't breathing, elle ne respirait pas, she had the back of her head opened up, l'arrière de son crâne était ouvert, I was holding her in my arms, et je la prenais dans mes bras. And I was feeling all alone. Et je me suis senti tellement there were seul. No people there. Il n'y avait personne ici. No cars. Aucune voiture. No buildings. Aucun bâtiment. No trees. Aucun just arbre. Desert. Juste le désert. All alone. Tout seul. And I heard the voice of God. Et j'ai entendu la voix de Dieu. He said, Loren, il a dit, Loren, it was the first time and only time I think I've heard the audible voice of God outside. C'était la première fois et je crois la seule de ma vie où j'ai entendu la voix audible de Dieu. I looked up to a blue sky, no clouds. J'ai regardé en ciel bleu avec aucun nuage. It's 11:20 in the morning. C'était 11h20 le matin. And there the sun was so hot. Et le soleil tapait tellement it fort. Was a desert. C'était le désert. But when you hear God's voice, mais quand vous entendez la voix de Dieu, everything's going to turn around. Tout va être transformé. And I heard his voice say, et j'ai entendu sa voix me dire, Lauren, do you still want to serve me? Loren, est-ce que tu es toujours prêt à me suivre,
à me servir. I'm glad I answered quickly. Je suis content d'avoir répondu rapidement. Because the Lord, I said, I thought about it. Parce que j'ai brièvement réfléchi. I even complained to God. Et je me suis même plaint devant Lord, Dieu. I've lost everything anyway. Seigneur, de toute façon, j'ai tout perdu. There's nothing that's worthwhile. Il n'y a plus rien qui vaille la peine. My education. Mon éducation. My plans. Mes plans. My future. Mon avenir. Any money I had, which wasn't much. Et puis tout l'argent que je pouvais avoir, c'était pas grand-chose. I'd given up an opportunity to be a millionaire. J'avais laissé passer une opportunité de devenir millionnaire. I said to my aunt and uncle, I said, no, I'm called to be a missionary. J'avais dit à mon oncle et à ma tante qui me proposaient une place, non, je suis appelé à être un missionnaire. When my father went into ministry, quand mon père est entré dans le ministère, his two older sisters disowned him. Ses deux sœurs aînées l'ont déshérité. They were bitter at God. Elles étaient amères contre Dieu. Because their mother died when they were young. Parce que leur mère était morte quand elles étaient jeunes. My father was only 5 years old when Mon his mother died. N'avait que 5 ans quand sa mère est morte. And they became bitter, but not my dad. Et ils sont tombés dans l'amertume, mais pas mon père. And they said to him, et ils lui ont dit, if you go this way, tu vas dans cette voie, we're finished. Alors on ne te parle plus. We'll never speak to you again. Et on ne te parlera plus jamais. They kept their word. Elles ont tenu parole. 29 years. 29 ans. They never would answer the phone. Elle voulait pas décrocher le téléphone. If it was dad, they'd hang up. Si c'était papa, alors elle raccrochait. When he sent them Christmas cards, sent them back. Quand il leur envoyait des cartes de vœux pour Noël, elle les renvoyait. They never opened a letter. Elle n'ouvrait jamais une 29 lettre. Years. 29 ans. After 29 years, I was 20 years old. Après 29 ans, moi j'avais 20 ans. I didn't know them. Et je les connaissais pas. I'd never seen them. Je les avais jamais vus. And then they said, et puis là, elles m'ont dit, well, I called one of them. En fait, j'ai pris contact avec l'une d'entre elles. She owned a big factory. Et puis, elle était propriétaire d'une grande usine. Five furniture stores. Elle avait 5 magasins de meubles. That's how I found her in et c'est comme ça que je l'ai trouvée. In Miami. À Miami. So I was preaching in Miami. Alors, une fois où je prêchais à Miami, so on Friday night, Le vendredi soir, I called her, je l'ai appelée. And I said, I am Thomas Cunningham's son. Et je lui ai dit, je suis le fils de Thomas Cunningham. She hung up. Elle a raccroché. Next day, I called her again. Le jour suivant, je l'ai rappelée. It was Saturday. C'était le samedi. Saturday morning. Samedi matin. And I said, I don't want anything from you. I just want to meet you. Et je lui ai simplement dit, je ne veux rien obtenir de toi, je veux juste te rencontrer. I'm too busy. Je suis trop occupé. It's my birthday and my employees are holding a party. I'm too busy. C'est mon anniversaire et puis mes employés organisent une fête. Elle a raccroché. So now I was gaining. Alors maintenant, j'avais pris un peu de terrain. Hein. She gave me an excuse. Elle m'avait donné une excuse. So I went out and bought a little handkerchief. Alors, j'ai été acheter un petit mouchoir and brodé a card. Et une carte. And I called her again. Et je l'ai rappelée. The next afternoon, after I'd preached. Et puis le lendemain après-midi, après que j'ai prêché, I said, "Hello, I'm on my way out of town." Je lui ai dit, "Bonjour, je suis en train de quitter la ville." And I just wanted to drop off a birthday gift for you. Et je voulais juste déposer un petit cadeau d'anniversaire pour toi. I won't come inside. Je vais pas venir dedans. I just want to give it to you. Je voulais juste te le donner. I'll come to your door. Donc je viendrai à ta porte. She waited. Elle a attendu. OK. So when I Hello Mike. Oh, Mike's there. OK. OK Mike, le mic est là, c'est bon. Mike's short. He's the man. Ça c'est l'homme de la situation. Thank you. Merci Ali. As I walked up to the door, alors que j'ai franchi le portail d'entrée, she hadn't seen my father. Elle n'avait pas vu mon père since he was 19. Depuis qu'il avait 19 ans. I was just 20. Et moi, j'avais 20 ans. I looked very much like my dad. Et j'avais la même tête que lui. At every age. Presque le même âge. Hein. I look in the mirror.
Je me suis regardé dans le miroir. Sometimes I say, "Hello, Dad." Et même aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, j'ai envie de dire bonjour, papa. I just look like him. Parce que je lui ressemble. And so, she started to cry. Elle a commencé à pleurer. I handed her the gift. Je lui ai donné le cadeau. She said, "Thank you, Loren." Elle a dit merci, Loren. You have another aunt. She wants to see you too. Tu as une autre tante. Elle aimerait aussi beaucoup I faire just ta called connaissance. Her. Je viens de l'appeler. I said, "Where does she live?" Et je lui ai dit, où est-ce qu'elle habite? Well, she lives in three places. Et puis elle m'a dit, en fait, elle habite à trois endroits différents. She bought the Vanderbilt's home in Palm Beach. Elle a acheté la maison des Vanderbilt à Palm Beach, qui est une famille de millionnaires. And she and her husband have bought another place they call a camp up on a lake, Placid. Et avec son mari, ils ont aussi acheté un autre endroit qu'ils appellent un camp, qui est à Lake Placid, dans les montagnes. And their main home is in Providence. Mais leur maison principale est à Providence. Poor people had to travel like Darlene and me. Ces pauvres home personnes, to home to home. Ils devaient every passer year. D'une maison à l'autre chaque année, comme Darlene et moi. Yeah, it's a little different. Mais c'était un peu différent. Quite a bit of difference. C'était yeah. même assez différent. Because all of them were mansions. Parce que toutes ces maisons, c'était comme des châteaux. They had eight servants, and ils avaient Americans don't have servants, even rich people. Huit serviteurs dans chacune des maisons. Les Américains n'ont pas de serviteurs à la maison normale. And you know, they paid them good money. Et vous savez, ils les payaient bien. To serve them. Pour les servir. But even at Lake Placid, which was my first one to see. Mais même à Lake Placid, qui est la première de ces maisons que j'ai visitées. They called it a camp. Ils l'appelaient un camp. The camp in the summer by the lake. C'est un camp et, au bord du lac pendant l'été. They have a boathouse. Et ils avaient une maison bateau. That's where they would have their parties. C'est là où ils faisaient leurs fêtes avec les autres millionnaires de la région. Their boathouse was in the magazine on Better Homes and Gardens, famous magazine. Leur maison bateau. When I was there that month. Il y a eu tout un article qui a été publié sur leur maison dans un magazine sur les jardins et les belles maisons des États-Unis. Their yacht was in the boating magazine that month. Et leur yacht, leur bateau, il était sur le magazine des yachts américains ce mois-là. They didn't know they were going to meet me. Ils avaient aucune idée qu'ils allaient me rencontrer. They sent their chauffeur to Montreal where I was preaching to drive me down to there. Et ils ont dit, on va venir avec notre jet à Montréal où j'avais une prédication et on va te ramener vers les montagnes rocheuses. God knew. Dieu savait. This was a test. C'était un test. It was easy to pass. En fait, il était facile à passer pour they moi. Asked me to join their family. She had no children. Et ils m'ont demandé de rejoindre leur famille parce neither qu'ils n'avaient pas d'enfants. Of my aunts had children. Aucune de mes tantes n'avait they des enfants. Bitterness. Mais elles étaient amères. But no children. L'amertume nous rend stériles. They wanted me to join et ils voulaient que je devienne their leur company. Fils. Ils voulaient que je rejoigne leur compagnie. I had a choice to be a millionaire. Donc j'avais le choix entre être un millionnaire or a missionary. Ou être un missionnaire. They had three homes. Ils avaient trois maisons. I have 2,000 homes. J'en ai 2,000. This is one of my homes. Ça c'est une de mes maisons. I remember Mwanzi's, you know, down in Rwanda. Faith and Mary Mwanzi. Les Kamanzi. Kamanzi, I mean. Kamanzi, Rwanda, Method and Mary. Yeah. And they had a little girl. Ils avaient une petite fille. She's now a grown girl. Qui est maintenant une adulte. But they were pioneering in Kigali. Mais ils étaient en train de démarrer la base à Kigali. It's not always nice pioneering. C'est pas toujours simple de démarrer quelque chose. Yeah. And so they didn't have a nice place. Donc ils n'avaient pas une belle maison. So all the other little girls were teasing Mary, I've forgotten her name. Donc les autres petites filles à l'école, Mary's little daughter. Ils se moquaient de la petite fille des Kamanzi. She says, elle a dit, that's okay. C'est okay. I have homes in Tonga. Moi, j'ai des maisons à Tonga. I have homes in America. J'ai des maisons en Amérique. I have homes all over the world. J'ai des maisons tout autour du monde. She was right. Elle avait raison. We're family. On est une famille. We have family all over the world. On a des membres de la famille tout autour du monde. 191 nations full time. 191 nations à plein temps. With over 200
passports. Avec plus de 200 passeports représentés parmi les membres de notre personnel autour du monde. Now, you have to learn the difference between a sovereign nation like Togo. Donc il nous faut apprendre la différence entre une nation souveraine comme le Togo and a dependent country. Et un pays dépendant. There's an island called Greenland. Par exemple, il y a une île appelée le Groenland. It's the biggest island in the world. C'est la plus grande île du monde. And they have a president and a parliament. Donc ils ont un président, ils ont un parlement. But they're not a sovereign nation. Mais ils ne sont pas une nation souveraine. They're a dependent country on Denmark. C'est un pays qui dépend du Danemark. So we have to learn the difference. Donc il nous faut apprendre la différence. So you'll notice I'll say sometimes nations. Donc vous allez remarquer que parfois j'utilise le mot nation. But there's a word in English meaning both nations and dependent countries. Mais il y a un terme en anglais qui implique autant les nations souveraines que les pays dépendants. Yeah, that we call country. Et ça, on les appelle des pays. Yes. And so there's 241 of those. Donc il y en a 241. And yes, I've been to all of those. Et oui, je suis allé dans chacun d'entre that eux. That even includes South Sudan. Je suis même allé au Soudan Kosovo, du Sud, au Kosovo. Timor, yes. Timor de occidental, oriental. I was in all of them before they became independent. Et j'étais dans chacun de ces pays avant qu'ils deviennent indépendants. Now they are sovereign nations. Et maintenant, ce sont des nations souveraines. They're the newest in the world, three. Et c'est les trois plus jeunes nations du monde. So, as I look at what God put before me. Donc quand je regarde ce que Dieu met devant moi. The reason it was so easy. La raison pour laquelle le choix était tellement facile. My father made that same decision. Parce que mon père avait fait exactement cette même décision. 29 years before. 29 ans plus tôt. Have I regretted it? Est-ce que il l'a regretté? Est-ce que je l'ai regretté? Not even 1 minute. Mais même pas une minute. That was not a big test. C'était pas un immense test pour moi. It was a test. Mais c'était un test. So I was talking about that to the Lord when our accident happened. Donc je parlais de ces choses avec le Seigneur quand on a eu notre accident. All of the things that came together at that same time. Et c'est toutes les choses qui sont remontées à mon esprit à ce moment précis. When you see that you're being tested in many ways at the same time. Et quand vous voyez que vous êtes testé de nombreuses façons différentes dans la même période. God's getting you ready to see many victories at the same time. C'est que Dieu vous prépare à voir de nombreuses victoires dans le même temps. Don't miss your test. Ne passez pas à côté de votre test. Don't fail your test. N'échouez pas votre examen. Or you have to go around the mountain again. Sinon, il faudra refaire un tour de la montagne. And try to pass the test. Et repasser l'examen. Get it right the first time, it's Donc, easier. Passez-le la première fois, c'est plus facile. Now, maintenant, when I prayed, quand j'ai prié, God said, pray for Darlene. Dieu m'a dit, prie pour Darlene. Out in the desert. Là dans le désert. Why should I ask God to do what he already wants to do? Pourquoi est-ce que je devrais demander à Dieu de faire quelque chose qu'il aimerait déjà faire? So I pray to him to answer my prayer. Donc je lui prie de répondre à ma prière. Which is his desire anyway. Qui correspond à son désir de toute façon. Why didn't he just do it? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas directement sans même m'en parler? Why doesn't he just evangelize the world? Pourquoi est-ce qu'il évangélise pas directement le monde directement? Why doesn't he get a Bible in every language? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'avoir une langue dans chaque langue? He's une Bible all powerful. Dans chaque langue? Est-ce qu'il est pas tout puissant? He doesn't want to make you a puppet. Il veut pas faire de vous une marionnette. He doesn't want us to be robots. Il veut pas que vous soyez des robots. He wants us to rule and reign with him. Il veut que vous puissiez régner avec lui. In all eternity. Dans toute l'éternité. We will be his family. Nous serons sa famille. Over the angels. Un rang supérieur à celui des anges. We'll be judging angels. Nous allons juger les anges. You shouldn't have done that today. Vous ne devriez pas faire ça maintenant. Are you ready? Vous êtes prêt? I'm not yet. That's why I'm still here. Moi, je suis pas encore prêt à ça. C'est pour ça que je suis encore là. When he gets you ready. Mais quand Dieu vous préparera. You'll be ready. Vous serez prêt. And then you can do it. Et après, vous pourrez le faire. But we have to be readied. Mais il nous faut prepared. Être préparé. Doing what God wants done. Pour faire ce que Dieu veut faire. So, for Adam and Eve. Ainsi pour Adam et Ève. First chapter in the Bible. Premier chapitre de la Bible. God gave mankind. Dieu a donné dominion à l'humanité over the whole of the world. La domination sur l'ensemble de la création. God made a covenant. Dieu a fait une alliance. God keeps his covenant even when we break it.
Et Dieu garde son alliance même quand nous la brisons. His covenant, son alliance, was to put mankind in charge. C'était de mettre l'humanité en charge, en responsabilité. How are we doing? Comment est-ce qu'on s'en sort? When is the break? C'est quand la pause? And so, I got a covenant. J'ai une alliance là. Hein? Break, 10:30. Okay. No, okay. That's not a covenant. La pause à 10h30. Non, that's, c'est pas une alliance. That's just submission. C'est juste la soumission. I'm submitting. Je me soumets. 10:30. 10h30. Now notice. Maintenant. When we were given dominion. Remarquez cela. Quand on a reçu l'autorité. Had authority to decide. Pour régner, ça veut dire qu'on avait l'autorité pour décider. I told you last night. Je vous ai dit hier soir. This continent is the richest continent in the world, potentially. Ce continent est potentiellement le continent le plus riche du monde. It has everything to make you the richest. Il a tout ce qu'il faut pour faire de vous les plus riches. What's breaking it? Qu'est-ce qui empêche cela? You're not ready. Vous n'êtes pas prêt? Even pastors. Même les pasteurs. Government leaders. Les responsables de gouvernement. All were being greedy. Ils sont tous cupides. You can't make wealth by being greedy. Vous pouvez pas produire de la richesse en It's étant the cupide. Opposite. C'est l'opposé, en fait. Oh, you can get bribes. Oh oui, vous pouvez avoir des pots de vin. That hurts the briber. Et ça fait mal à celui qui vous les donne. I've had to wait sometimes hours. Parfois, j'ai dû attendre des heures. They're just waiting for me to bribe them. Alors que des douaniers ou d'autres personnes attendaient que je leur donne un pot de vin. I'm not going to bribe them. Et puis moi, je vais pas leur donner I've un pot de vin. I've never bribed them. J'ai jamais donné un pot de vin à qui que ce soit. And yet, I've been to every country in the world. Et oui, je suis allé dans chaque pays du monde. Oh yeah, they wait, they do all kinds. Okay, I'm going to have to send you back. Because this is not right or something like that. Et ils vous font toutes sortes de menaces en disant, ah ouais, votre visa est pas en ordre, je vais devoir vous renvoyer, à moins que vous me donniez. I just smile at them. Et moi, je les laisse parler. Then I learned from Paul. Et là, j'ai appris quelque chose de l'apôtre Paul. We were being, you know, they wanted something special. Parce que, who? Paul Dumtumla. Ah, j'ai appris quelque chose de l'apôtre Paul ici. Not police. Parce que j'ai appris quelque chose de son intégrité financière. And he wants money. Les gens veulent de l'argent. He said, "We don't have money to give you, but we do. We are men of God, and we'll pray for you." Et il leur a répondu, "On n'a pas d'argent à vous donner, mais on est des hommes de Dieu et on peut prier pour vous." So we both stopped and prayed for him. Alors on s'est arrêtés les deux et on a prié pour lui. He was happy. Et il était content. He let us go. Et il nous a laissé passer. Yeah. Ouais. You see. God gives you a way of escape. Voyez-vous, Dieu vous donne toujours une échappatoire. Those are little tests, but they're important tests. Des petits tests, mais ce sont des tests importants. But each time you give a bribe, you are holding back Africa from its great inheritance. Mais chaque fois que vous donnez un pot de vin, vous nourrissez le système et vous retenez l'Afrique d'entrer dans son grand héritage. The thing that is keeping you from wealth. Les choses qui vous empêchent d'entrer dans la richesse. Is lack of unity, c'est le manque d'unité, tribalism, fighting tribalism, le tribalisme où les tribus luttent les unes contre les autres pour avoir le pouvoir. In conflict, in words. Si c'est pas un conflit ouvert, c'est avec des paroles. Secondly, deuxièmement, greed and corruption in the governments and la in the leadership. Cupidité et la corruption dans le gouvernement et le leadership. When that is broken, quand ces choses sont brisées, how will it be broken? Comment est-ce qu'elles vont être brisées? First by prayer. D'abord par la prière. Secondly by action. Ensuite par l'action. In these two ways. De ces deux manières. You work for unity. Vous travaillez pour l'unité. You always work to build bridges. Vous travaillez toujours à bâtir des ponts. And you also make sure that everything you do is righteous before God with money. Et vous vous assurez également que tout ce que vous faites qui concerne l'argent est juste devant Dieu. I've never accumulated wealth. J'ai jamais accumulé de richesse. If I stop tomorrow, si je m'arrêtais demain, I will get a little bit of money from the government. Je recevrais demain un peu d'argent du gouvernement. Because I put much into it over the years. I gave them my money over the years to help me when I'm old. Parce que au fur et à mesure des années, j'ai mis beaucoup d'argent dans les caisses de pension du gouvernement pour pouvoir avoir ma retraite quand je serai âgé. I was given a home. On m'a donné une maison. But that's been put in a trust so I wouldn't sell it. Donc, elle a été mise dans, comment on appelle ça, dans une fondation, donc je ne peux pas la vendre. I didn't even know who the trustees were until just last year. Et je ne savais même pas qui étaient les membres du conseil de fondation jusqu'à l'année dernière.
So what do I have? Alors qu'est-ce que j'ai? I have Jesus. J'ai Jésus. I have what he gives me. Et j'ai ce qu'il me donne. I'm not starving. You notice that? Je meurs pas de faim, vous pouvez le voir. I can't hide that. Je peux pas le cacher. Yeah, I'm not starved. Non, je meurs pas de faim. And I trust the Lord like you do. Et comme vous, je fais confiance au Seigneur. For airline tickets. Pour des billets d'avion. Oh, I got a lot of stories. Oh, j'ai beaucoup d'histoires là. Last year I didn't have any money. I had to leave in a few days. L'année dernière, j'avais aucun argent et je devais prendre l'avion d'ici quelques jours. I don't even have to ask him mostly on this. Sometimes I do. Et en général, j'ai même plus besoin de prier pour ce genre de choses, mais parfois, il y a des situations spéciales. I took instead, I embraced the needs of the base and the bases. Parce qu'à la place, j'ai pris sur mon cœur les besoins de la base et des différentes bases. When I embraced the needs of YWAM, I found that God took care of me without asking him all the time. Et quand j'ai pris sur mon cœur les besoins de la base ou des bases, j'ai réalisé que Dieu s'occupait de mes besoins sans même que je le lui demande la plupart du temps. I had no car for, I don't know, 20 years, I don't know. J'avais pas de voiture pendant, je sais pas, 20 ans. And then I was given a car. Et puis un jour on m'a donné une voiture. I didn't need a car. J'avais pas besoin de voiture. You can get your treasure here on earth. Vous pouvez recevoir vos trésors ici sur terre. But then you don't get it up there. Mais alors vous le recevrez plus là-haut. Up there is forever. Là-haut, down here c'est short. Des trésors éternels. Ici c'est seulement à court terme. Which do you want? Lequel vous voulez? That's the decision you're making every day. Ça, c'est une décision qu'on doit faire chaque jour. God gives us our needs, not our greeds. Dieu répond à nos besoins, pas à notre cupidité ou à nos convoitises. Now, if we have a goal from God, maintenant, si nous avons un objectif de la part de Dieu, he's going to help us make that goal. Il va nous aider à l'atteindre. But why does he have that goal of ending Bible poverty? Mais pourquoi est-ce qu'il nous donne cet objectif de mettre un terme à la pauvreté biblique? At the meeting in Amsterdam, Billy Graham called. Lors de la réunion que Billy Graham a convoquée à Amsterdam. And we believe that many of you are conveners. Et nous croyons que beaucoup d'entre vous sont des rassembleurs. Well, with Billy Graham, when he calls, thousands want to come. Par exemple, Billy Graham, quand il convoque les gens, il y a des milliers de personnes but qui veulent limit venir. It. Mais ils ont limité le nombre which d'inscriptions. Group are they calling for? Quel groupe est-ce qu'ils appellent? When you call for group, quand vous appelez des groupes, then make sure alors assurez-vous it's the right grouping you're calling. Que c'est le bon groupe que vous êtes en train de convoquer. And you'll be able to convene them. Et vous serez capable de pouvoir les convoquer. First it'll be small numbers. D'abord, ça sera des petits nombres. After a few years, they trust you. Et après quelques années, la confiance est établie. Because you don't misuse that grouping. Parce que vous n'abusez pas de cette autorité de rassembler. You don't just use it to get money. Vous l'utilisez pas pour pouvoir avoir de l'argent. Known. Pour pouvoir être connu. You do it because it's right and it's vous helpful for all of them. Vous le faites parce que c'est juste et que c'est utile pour chacun d'entre eux. Then you can call. Alors après, vous pouvez and convoquer. You're a convener. Et vous devenez quelqu'un qui peut convoquer, qui a une autorité pour rassembler les gens. And you convene YWAM. Et vous pouvez rassembler Jeunesse en different Mission. Parts of YWAM. Différentes tribus de Jeunesse en Mission. So when Guy calls, they convene King's Kids. Donc quand Guy appelle, il rassemble les FJ. And they come. Et ils viennent. And that's the way it is for all of us. Et c'est ainsi qu'il en est pour chacun d'entre nous. And so when we had this big meeting, we called it for Kansas City. Ainsi que nous avons ce grand rassemblement que nous avons convoqué à Kansas City. Counting this local staff there, we had YWAMers 4,000. Et d'après les staffs de JEM là-bas, on avait 4,000 JEMiens à plein temps. And some of them were also from the different spheres. Et certains d'entre eux étaient aussi impliqués dans les différentes sphères. But they were alumni of YWAM. Mais c'était tous and we invited them to come. Des vétérans de Jeunesse en Mission, des anciens étudiants. Because on les a tous we want to recognize that movement within YWAM too. Parce qu'on voulait reconnaître ce mouvement à l'intérieur de JEM. Now the one thing that with that YWAM, with that movement,
Et une des choses qui est importante avec ce mouvement, we have no legal standing. C'est qu'on n'a aucune structure légale. So the Bible says, render to Caesar. Dans la Bible nous dit, rendez à César the things that are Caesar's. Qui est à César. What about my water? Did you get my water? No, but no. I can give you mine. No. Take this one. Oh. If it had been a snake, si ça avait été un serpent, I would have bit it. Je l'aurais mordu. You bite the snake before he bites you. C'est mieux de mordre le serpent avant que ce soit lui qui vous morde. Make sure it's not a green viper, though. Mais assurez-vous que c'est pas un mamba noir. I lived in Africa long enough to kill some of them. One of them, anyway. J'ai vécu en Afrique assez longtemps pour savoir comment tuer. Yeah, thank the Lord, He protects us out in the grass. Mais merci le Seigneur, il nous protège dans l'herbe. Amen. Amen. You know, our first YWAMers we sent to Africa that were in Liberia. Vous savez, les premiers Jemiens qu'on avait envoyés en Afrique sont venus au Liberia. And they went in to build a road to a leper colony. Et ils sont allés bâtir une route qui se rendait dans une colonie de lépreux. Near Cape Palmas, Nigeria. Près de Cap Palmas, au Nigeria. They had to build a road 17 miles with big bulldozers. Et ils ont construit une route d'une trentaine de kilomètres avec des gros bulldozers. These are two young men. C'était deux jeunes hommes. They knew how to run a bulldozer. Ils savaient comment conduire un bulldozer. And they knocked a tree down. Et ils ont arraché un arbre. And it had those little tree snakes that if they bite you, you're dead in 4 minutes. Et il y avait ces petits serpents arboricoles, s'ils vous mordent, vous êtes mort en quelques minutes. Well, Larry knocked the tree down and all the vipers fell on him and crawled all over him. Et Larry, il a arraché cet arbre et toutes les petites vipères sont tombées sur lui et rampaient sur lui. Whole nest of them. Tout un nid. He just stayed still. Et il est resté tranquille. Jesus help. Jésus, aide-moi. Not one bit him. Il n'y en a pas une qui l'a mordu. They all crawled away. Ils sont tous rampés et sont partis. Amen. Amen. They were going to Côte d'Ivoire. Ils allaient en Côte d'Ivoire. They were right near the border. Et ils étaient à la frontière. And so they all going by pathway. Et ils passaient par des sentiers. They went over in Côte d'Ivoire. They were preaching the gospel and ils sont allés en Côte d'Ivoire, ils ont prêché l'évangile. And several got saved and they started two churches. Et plusieurs personnes ont été sauvées, ils ont démarré deux églises. This is the first team that came to Africa. Ça c'est la première équipe qui est venue en Afrique. But as they were walking a path, mais alors qu'ils marchaient sur un sentier, they were all stepping over this big log. Ils ont dû passer par-dessus ce tronc d'arbre. Larry was the last one in line. Larry, c'était le dernier de la file. He looked at that log. Il a regardé le tronc d'arbre. Big log. Un gros tronc d'arbre. He saw, oh, this isn't a log, it's a snake. Et en fait, il a dit, oh, c'est pas un tronc d'arbre, c'est un serpent. It was a pig, one of those that squeezes you to death, you know? C'était un de ces gros boas qui peut vous étouffer, vous savez. He had a gun, he goes, s'il avait eu un pistolet, il aurait tiré dessus. He bit the snake before it bit him. Et il aurait mordu le serpent avant que le serpent le morde. Anyway. Enfin, peu importe. I got a lot of stories. J'ai beaucoup d'histoires. I think we're going to have to extend the DNA. Je crois qu'il nous faudra élargir l'ADN. I like le rallonger to tell the stories. Jours, parce que moi, j'aime raconter des histoires de Jem. Yeah. Anyway, that's because I've been in YWAM 56 years now. Parce que ça fait 56 ans que je suis à Jeunesse en Mission. Soon be 57. Presque 57. So, when we pray, donc quand nous prions, we only can pray, nous ne pouvons seulement prier, because Jesus gave back what we lost, que parce que Jésus a redonné ce que nous avions perdu. We lost authority over the earth. Nous avions perdu notre autorité sur la terre. We gave it to Satan. On l'avait donné à Satan. Every time we sin, we give him a little more. Et chaque authority. Fois que nous péchons, nous lui en donnons un peu plus. And he tempts us. Il nous tente. He uses threat. He uses bribe. Il utilise ses menaces. Il utilise ses pots de vin. That's why bribery is so wrong. C'est pour ça que les pots de vin c'est tellement faux. If you do this, ah, I'll si give you this. Ça, je te donnerai ça. That's what he was trying to do with Jesus. C'est ce qu'il essayait de faire avec Jésus. Jesus passed all the tests. Jésus a passé tous ses examens. And he tries to bribe us. Il essaye de nous séduire. And then he threatens us. Et après il nous menace. Terrorists are instruments of Satan. Les terroristes sont des instruments de Satan. Pray for them. Priez pour eux. That they will become
children of God, free from the slavery of Satan. Pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu, libres de l'esclavage de Satan. That's what Paul was. C'est ce que Paul était. He says this in 1 Timothy. Il dit ça dans Timothée. He says, I was a terrorist. Il dit en quelque, he en didn't use mot, that term, but that's what he was. J'étais un terroriste. Il n'utilise pas cette expression, mais c'est ce everyone qu'il heard était. He, Christians heard he was coming to Damascus. Quand les chrétiens ont entendu qu'il venait à Damas, oh, they were praying. Oh, ils priaient. I don't know how many had fear and how many had faith. Je sais pas combien avaient peur et combien avaient la foi. But God answered the ones that had faith. Mais Dieu a répondu à ceux qui avaient la foi. It wasn't Ananias. C'était pas Ananias. It was some of the others. C'était certains des autres. Paul's coming, Lord. Paul vient, Seigneur. What do you want to do? Qu'est-ce que tu veux faire? I want to meet him. Je veux le rencontrer. Pray. Prie. And we pray in Jesus' name. Et nous prions au nom de Jésus. Why? Because God said. Pourquoi? Parce que Paul dit, Jeremiah 27, verse 5, dans Jérémie 27, au verset 5, I have made the earth, j'ai fait la terre, the men and the beasts that are on the face of the earth, les hommes et les bêtes qui sont sur la face de la terre, by my great power, par mon grand pouvoir, by my outstretched arm, par mon bras étendu, and I will give it et je vais le to donner. The one who is pleasing in my sight. Je vais la donner à celui qui fait mon plaisir. And in Psalms chapter 2 verse 8. Et au psaume 2 au verset 8. This is the son. Look at verse 7. Regardez le verset 7, on parle du fils. He said to his son. Il dit à son fils. Ask me. Demande-moi. Whatever you will. Ce que tu veux. Ask of me for the nations. Demande-moi les nations. God got more particular, didn't he? Dieu devient plus spécifique, not n'est-ce pas? General. Pas général. Ask of me for the nations. Mais demande-moi les nations. And the ends of the earth. Et les extrémités de la terre. As your possession. Comme tes possessions. Your inheritance. Ton héritage. Now. Maintenant. Who pleased him? Qui c'est qui plaît à ses yeux? When he was being baptized. Quand il a été baptisé. It was a baptism that was an anointing for his calling. C'était un baptême qui a été une onction pour son appel. And he says from heaven. Et cette voix est venue du ciel. An audible voice. Une voix audible. This is my beloved son in whom I well pleased. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. So he gave him. Donc il lui authority. A donné l'autorité. Verse 28 verse 18 of Matthieu 28 au verset 18. I have been given all authority. Toute autorité m'a été donnée. In heaven, dans les cieux, and on earth, et sur la terre. Go therefore, allez donc, and disciple all nations. Et faites de toutes les nations des disciples. Baptizing them. Baptisez-les. Now that's a different kind of baptism. Alors ça c'est un différent type de baptême. Has David talked to you about two kinds of baptisms yet? Est-ce que David vous a parlé des deux types de baptême déjà? All right, there's a Greek word called bapto. Il y a un mot grec qui est bapto. Yeah, B-A-P-T-O. B-A-P-T-O. Bapto. Bapto. And there's a baptizo. Et il y a un autre mot grec qui est baptizo. B-A-T-I-Z-O. B-A-P-T-I-Z-O. It's different than bapto. C'est différent de bapto. But most language translators of the Bible will say they're the same. They're synonyms. Et la plupart des traducteurs de la Bible disent mais c'est la même chose, c'est des synonymes. But for many years I'd been teaching that it's a baptism of teaching. Mais pendant de nombreuses années, moi j'avais enseigné qu'il s'agissait dans ce verset d'un baptême d'enseignement. You're to teach all nations. Vous devez enseigner toutes les nations. Discipleship is teaching. Le discipulat c'est l'enseignement. By modeling. Au travers du modèle. You du first modèle. Do, then you teach. Vous faites d'abord, vous mettez en pratique, puis vous enseignez. Then you teach with authority. Et là, vous enseignez avec autorité. Because you have become a model. Parce que vous êtes devenu un modèle. Of what you teach. De ce que vous enseignez. You don't violate it. Vous ne le violez pas. Or they won't believe you. Autrement, les gens vous croiront pas. And so, that's a different kind of discipleship. Donc c'est un différent genre de discipulat. You teach by modeling. Vous enseignez par l'exemple. Then by teaching. Puis par la parole, l'enseignement. And then you look at the fruit. Et après vous regardez les fruits. And the fruit will tell you
what you have taught. Et les fruits vont vous montrer ce que vous avez enseigné. Now, look closely at the book Matthew chapter 7. Maintenant, regardez de plus près Matthieu au chapitre 7. At verse 1. Au verset 1. Judge not, lest you be not judged. Ne jugez pas, à moins que vous ne soyez jugés. But as it goes on, mais alors que ça continue, Jesus said, by their fruit you shall know them. Jésus continue en disant, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. They will say to me on that day, en ce jour-là, ils me diront, Lord, Lord, Seigneur, Seigneur, we've done great things in your name. Nous avons fait de grandes choses en ton nom. What were the great things? C'était quoi les grandes choses? We call them gifts. On les appelle les dons. Gifts of the Spirit. Les dons du Saint-Esprit. Charis. Les charismes. That's the Greek word. C'est le mot grec. And so they said, Lord, we've cast out devils, we prayed for the sick and they got healed and so on. Seigneur, look, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons prophétisé. He said, depart from me, I never knew you. Et il leur répondra, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Really? Vraiment? Yeah. Ouais. Why? Pourquoi? You see the gifts that we see listed in 1 Corinthians 11. Voyez les dons qu'on voit recensés dans 1 Corinthiens au chapitre 12. There's 9 gifts. Il y a 9 dons. Whose gift is it? C'est les dons de qui? If I pray for a person, si je prie pour une personne, they get healed. Qu'elle est guérie. Who had the gift? Qui a les dons? Who received the gift? Qui a reçu les dons? He did. C'est lui. He was sick. C'est lui qui était malade. He got healed. Et c'est lui qui est guéri. Who gave it? Qui a donné le don? God gave the healing. C'est Dieu qui a donné la guérison. Have you ever healed anybody? Est-ce que vous avez déjà guéri qui que ce soit? God does it. C'est Dieu qui le fait. Well, what are you? Mais vous êtes quoi alors? You're just the mailman. Vous êtes juste un homme. You take the letter and you give it to him. Vous prenez la lettre. Ah, vous êtes un postier, when un facteur. He opens it, vous prenez la lettre de la part de Dieu et vous la transmettez à la personne. Lui, il l'ouvre et il lit ce qu'il y a dedans. You're just a pipe. Vous êtes juste un canal. God flows through you. Dieu coule à travers vous. You don't get credit for that in heaven. Vous n'aurez aucun crédit pour ce que vous It's aurez fait you au do. Ciel. Faith without works is dead. C'est ce que vous faites. La foi sans les œuvres est morte. That's not work. Mais ce n'est pas une œuvre. I'll pray for you. Et je vais prier pour toi. In other words, God will do something for you. En d'autres termes, Dieu va faire I quelque chose serve pour God, toi. I'll serve you. Moi, je vais I'm servir just a bridge. Dieu. Je vais te servir. Me. Je vais juste être un pont pour que Dieu marche sur moi. Now, if you're faithful, maintenant, si tu es fidèle, you're rewarded for your faithfulness. Tu vas être récompensé pour ta fidélité. Not because you did something great. Pas parce que tu as fait quelque chose de grand. You didn't do it great. He did. C'est pas toi qui as fait quelque chose de grand, c'est lui. So he's not going to say, okay, I did it, so I'll give you the credit. Et il va pas dire, ok, j'ai guéri plein de monde à travers toi, but donc when je vais you te donner le commit crédit. Yourself to something, mais quand tu t'engages you pay pour quelque the price, chose et que tu payes le you prix, give the energy, et tu donnes you l'énergie give the effort, et tu mets les efforts, you obey his word. Tu obéis à sa parole. Now you got faith because it was his word. Maintenant, tu as la foi parce que c'était faith sa parole. Comes by hearing by the word la of the Lord. Foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Now you can have faith for that person. Alors tu peux avoir la foi pour cette personne. Maybe not. Et peut-être pas. We had a great move of God in the United States of miracles. On a eu un grand mouvement de miracles aux États-Unis. It started after World War II. Il a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Dear brother Oral Roberts was one of those first stepped out on Et that. Et le cher frère Oral Roberts était un de ceux qui l'ont démarré. But he stayed pure. Mais il est resté pur. I went to see him in his home just before he died. Je suis allé about le visiter 5 months before he died. Dans sa maison à peu près 5 mois avant sa mort. He was still strong. Il était tellement fort encore. I said, pray for me. Et je lui ai dit, prie pour moi. He prayed for me. Il a prié pour moi. And he prayed God anointing. Et il a prié que l'onction de Dieu soit sur moi. Then we were walking over to his table to have lunch. Et après, on marchait dans la direction de son étable pour avoir le repas de midi. He was using a walker. Et il utilisait un, comment on appelle ça? He said, I'd just been to see Billy Graham. Et il m'a dit, je viens d'aller visiter Billy Graham. I served on one of his boards for 10 years. Et j'ai servi dans un de ses conseils pendant plus de 10 ans. So I met with him regularly and also in his home. Et donc je l'ai régulièrement visité également dans sa maison. And two or three times in big events. Et deux à trois fois j'étais avec lui dans des gros événements. And
Oral Roberts knew I'd just been with Billy Graham. Donc c'est Loren qui était chez Billy Graham et Oral Roberts savait que Loren était chez Billy Graham. He said, "Did Billy Graham have a walker like mine?" Et puis Oral a dit, "Est-ce que Billy Graham a un tente-bain comme moi?" I said, "He had a walker." Et je lui ai dit, "He had." He had a walker when I was with him. Oui, il en avait un quand j'étais avec lui. I think it was like yours, yeah. Je crois qu'il ressemblait au tien, ouais. I didn't remember exactly. Je me souviens pas exactement. He said, "I gave it to him." Et il m'a répondu, c'est moi qui lui ai donné. Oral Roberts gave Billy Graham a walker like his. Et Billy Graham avait donné à non, Oral Roberts avait donné à Billy Graham un tente-bain comme le sien. And Billy Graham called him. Et Billy Graham l'a appelé. Oral. Oral. I used to drive just a Ford. Now I got a Cadillac. What is this one? Ah, Cadillac. Yeah, okay. J'avais l'habitude de conduire une Ford, mais maintenant j'ai une Cadillac. In other words, I drive used to drive a smart car, and now I have a Mercedes. You know that kind of thing. En d'autres termes, j'avais l'habitude de conduire une voiture intelligente, et maintenant j'ai une Mercedes. They were good friends. C'était de bons amis. For years. Pendant des années. People didn't know that. Les gens savaient pas ça. You know, they were dividing by whose theological camp they are in. Vous savez, les gens avaient l'habitude de les séparer en fonction du camp théologique où ils se trouvaient. I'll leave you this for the break. Mais je vais vous laisser ça à réfléchir pour la Think pause. About what I'm saying. Réfléchissez à ce que je dis maintenant. The Bible is not about a system of theology. La Bible ne concerne pas un système théologique. Now, I'm not saying that because I have degree in that. Et je ne dis pas ça parce que j'ai des diplômes en théologie. It's not a system of theology. La Bible n'est pas un système de théologie. There is no human system made that will include all that needs to be included in the Bible. Il y a aucun système humain qui pourrait inclure tout ce qui est compris dans la Bible. It's not a book about logic. C'est pas un livre au sujet de la logique. I took a course in logic. J'ai pris un cours de logique. It's not about philosophy. C'est pas un livre de philosophie. I have a degree in that too. J'ai aussi un diplôme en philosophie. It's none of these things. C'est aucune de ces choses. It has to do with relationship. Mais c'est lié à des relations. Before the universe was created, there was relationship. Avant que l'univers ne soit créé, il y avait déjà des relations. In the future of all eternity, there'll be relationships. Dans le futur de toute éternité, il y aura des relations. So he wants us to have a relationship with him. Donc il veut que nous ayons une relation avec lui. Through Christ, we call him Abba Father. À travers Christ, nous pouvons l'appeler a Abba relationship Père. Every day. Une relation quotidienne. Every moment. À chaque moment. I love that song, "And he walks with me and he talks with me." J'aime ce chant qui dit, il marche à mes côtés. He wants to walk and moi. Talk with you. Il veut marcher et parler avec toi. He wants this relationship. Il souhaite que cette relation. If we compare each other among each other, everyone. That's not wise. Sois saine. That si on hurts se compare, relationship. Si on commère les uns sur les autres, c'est pas sain. Is my base bigger than yours? Est-ce que ma base est plus grosse que la tienne? This is not what it's about. C'est pas de quoi it's il s'agit. It's each one being faithful. C'est que chacun to soit your relationship with God. À votre relation avec Dieu. And then your relationships will grow with each other. Et puis après vos relations les uns avec les autres vont grandir. And he wants to root out all pride. Et ça va déraciner pride tout orgueil. Pride breaks relationships. L'orgueil brise nos relations. Humility increases relationships. L'humilité fait grandir les relations. And what is to be humble? Et ça veut dire quoi, être humble? Well, it's when you look down. C'est quand tu regardes par terre. And close your eyes a little. Et tu fermes un peu tes yeux. And say. Et tu dis. I'm but a worm. Je suis juste un ver. You don't believe that. Non, tu crois pas ça. We're not worms. We're made in the image of God. On n'est pas des vers. On est créé à l'image de Dieu. Oh, we become like worms when we sin. Ah, on devient comme des vers quand on pêche. That's because we're destroying the very image of God. Et ça, c'est parce que nous détruisons l'image même de Dieu. And when you repent, you may feel like a worm. Mais quand on se repent, peut-être que là, on se sent But comme you're un ver. Made in the image of God. Mais tu es créé à l'image de Dieu. Now be it. Alors, deviens-le. By his grace. Par sa grâce. By his forgiveness. Par son pardon. By his mercy. Par sa miséricorde. Now go on and do the things. Maintenant, va et fais that les he choses will reward you for. Pour lesquelles il va te récompenser. That's the fruit that will ça, ce remain. Sont les fruits qui demeurent. And it'll be people
Et ça sera that des have gens come to fall in love with Jesus. Qui vont tomber amoureux de Jésus. It'll be the things that God wanted done. Ça sera les choses que Dieu veut faire. And you did it. Et vous les avez faites. You didn't just be a conduit for it. Vous n'êtes pas a pipe for it, a mailing. Vous n'êtes pas juste un postier pour cela. No, not just a bridge. Pas juste un pont. Oh, there's a right place for bridges. Oh oui, il y a de la place pour there's les ponts. There's a right place for a pipe. Il y a de la place pour être un canal. But don't think that that's going to get you to heaven. Mais pensez pas que c'est ça qui va vous amener au ciel. What happened in that time in America? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de miracle aux États-Unis? There were 360, I think it's 365, like days of the year, in one organization of healing, great and miracles. Dans une organisation de miracles et de guérison. I was speaking with one of them. Je parlais avec un des 360 évangélistes qui était 30 là. Years later. 30 ans plus tard. He said. Il a dit. There's only 5 of us left in ministry. Il y a plus que 5 d'entre nous qui sont encore dans le ministère. Why? Pourquoi? Because they started claiming the miracles as the sign that they were holy. Parce qu'ils ont commencé à s'approprier les miracles que Dieu faisait à travers eux comme des signes qu'ils étaient des personnes saintes. One of them died. Un d'eux est mort. In the flames of a hotel room. Dans les flammes de sa chambre d'hôtel. Where he was drunk and smoking. Où il fumait et il était ivre. With a prostitute. Avec une prostituée. He told us how many had died as alcoholics. Et il nous a partagé combien sont morts comme alcooliques ou drogués. He told us how many were in prison at that time for crimes they committed. Combien se sont retrouvés en prison pour des crimes qu'ils avaient commis. He said there's only 5 of us left preaching the gospel. Il n'y a plus que 5 d'entre nous qui sont encore là à prêcher l'évangile. Yes. You may have done all of those things, et but Jésus I didn't dit, know you. Oui, oui, peut-être tu as fait toutes ces choses, mais je ne t'ai jamais connu. Does he know you? Est-ce qu'il vous connaît? Does he call you as a man, a woman of God? Est-ce qu'il vous appelle un homme, une femme de Dieu? Or one that is just using things like that? Ou quelqu'un qui utilise les choses comme ça? To get rich. Pour s'enrichir. To do something to get fame. Pour devenir célèbre. See, we need to do that. Voyez-vous? Nous devons faire Jesus cela. Sent them out to pray for the sick. Jésus a envoyé ses disciples raise prier the dead. Pour les malades, ressusciter we les morts. We need to do that. Il faut qu'on fasse but cela. But don't take credit for that. Mais ne vous appropriez pas la gloire. Because if anything happened, it wasn't you. Parce que si quoi que ce soit se passe, except you obeyed him to be a mailman. C'est si ce n'est que vous avez obéi à Dieu pour être son facteur. Because you loved and wanted to give God's love to them, and you became a pipe, a bridge. Parce que vous aimiez la personne et vous aimiez le Seigneur et vous étiez prêt à être un pont, un facteur, un canal pour lui, pour transmettre son message d'amour à la personne. Look and see. Mais ne prenez aucun crédit pour ça. Regardez, voyez ce que Dieu a fait et qui va durer pour l'éternité. When you raise the dead, it's not for eternity. Quand vous ressuscitez les morts, c'est pas quelque chose pour l'éternité. It's a sign that others may get saved because of it. C'est un signe et d'autres peuvent être sauvés à cause de cela. Same with healing. C'est la même chose avec la guérison. God wants to do those things. Dieu veut faire ces choses. But don't take credit for it. Mais ne vous appropriez pas la gloire. Give the credit to the one that did it. Rendez la gloire à celui qui l'a fait. You're just a server. Vous êtes juste un serviteur. That's all you're doing. C'est tout ce que vous faites. And that's true about a lot of things we do. Et ça, c'est vrai de beaucoup de choses que nous faisons. But there are some things we do. Mais il y a certaines choses que nous faisons. That God told us to do. Que Dieu nous a demandé de faire. That will make the difference to multitudes. Qui vont faire une différence pour des multitudes. And one of those things. Et une de ces choses. Is that the gospel goes to every person in the world. C'est que l'évangile puisse être transmis à chaque personne sur terre. Now this is a command. Et ça, c'est un commandement. Go. Allez. Preach the gospel. Prêchez l'évangile. To every creature. À chaque créature. And go, et allez, disciple all nations. Faites de toutes les nations des disciples. And then take care of the poor and the needy. Et après, occupez-vous des pauvres et des nécessiteux. That's our task. C'est notre tâche. And if we're faithful, et si nous sommes fidèles, what does he award us for? Qu'est-ce que what does he award us for? Pourquoi est-ce qu'il nous récompense? Well done. Bien, c'est bien. You offered healing to the sick. Tu as offert guérison aux malades. No. Non. Well done. C'est bien. Thou faithful servant. Parce que tu as été un bon et fidèle serviteur. Well,
I didn't do that much. Oh, j'ai pas tant, tellement fait. Yes, you did. You obeyed God. Oui, tu l'as fait. You tu as obéi served au Seigneur. People. Tu as servi les when gens. He wanted to serve through you. Quand lui voulait les servir à travers but toi. You give him the glory. Mais tu lui donnes la gloire à lui. You were faithful. Tu as été fidèle. It's faithfulness. C'est la fidélité. Only five of those miracle workers were faithful. Uniquement cinq de ces faiseurs de miracles en sont restés it's fidèles. Faithfulness. C'est la fidélité. It's how you end, not how you begin. C'est la façon dont vous terminez votre course, non comment vous la commencez. So I'm not ending now. Donc, je ne m'arrête pas maintenant. I'm just giving you a break. Je vous donne juste une pause.